Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Deauville Cheval. Nous vous proposons aujourd'hui de rencontrer un jockey, Michael Barzalona. Et vous allez vous en rendre compte, quand vous le croisez à Deauville, il n'est pas exactement en vacances. Michael Barzalona est une star du turf français qui s'exporte avec succès. Il s'est notamment imposé dans le très prestigieux Derby d'Epsom et la très richement dotée Dubai World Cup. S'il est basé à Chantilly, Michael pose chaque été ses valises à Deauville. Bonjour Michael. Bonjour Fanny. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être jockey? J'ai de la famille moi qui est dans les courses. Mon oncle qui a été jockey, mon grand-père qui est entraîneur, qui a été en jockey et qui est entraîneur encore en Corse. Et c'est seulement un peu plus tard, vers l'âge de 9-10 ans, quand je me suis intéressé aux chevaux de course en Corse chez mon grand-père, que ça m'a propulsé là. Mais avant ça, j'y prêtais pas spécialement attention. Quel est votre meilleur souvenir en course à Deauville? C'est peut-être le jour où j'ai gagné le prix Morny. Toute la team Godolphin était là, dont le grand boss, Cheikh Mohamed. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu sur le champ de course. Donc d'avoir pu gagner le Morny en sa présence, c'était certainement mon plus beau souvenir à Deauville. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à cheval dans cette ligne droite? En plus, là, pour le coup, il n'y a pas de tournant. On vient de très loin. Est-ce qu'on entend des choses? Est-ce qu'on ressent le public? Oui, on ressent le public, mais surtout, le plus impressionnant à ce niveau-là, avec ces chevaux-là, c'est que c'est des bombes sur pattes. Les très bons, ils sont archi rapides, ils sont bien équilibrés, on a des vraies impressions de force et de vitesse. Donc, comme dans l'élite de chaque sport, quand on arrive à monter ces chevaux-là dans ces épreuves-là, c'est ça qui est le plus impressionnant. L'année 2021 a quand même été une année assez exceptionnelle. Pour vous, vous avez terminé en tête du classement des jockeys, vous avez décroché la récompense suprême pour un jockey en France, la Cravache d'Or. Une récompense qui est remise à Deauville d'ailleurs lors du gala des courses. C'était votre première cravache d'or, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, je suis content, c'est un peu un accomplissement dans une carrière de jockey. C'est pas quelque chose de facile à avoir, donc je m'étais jamais vraiment... J'ai toujours dans ma tête, en coin de ma tête, cette envie de me dire j'aimerais bien finir ma carrière avec une cravache d'or. Mais c'est tellement des sacrifices, c'est compliqué à avoir. Moi, j'ai eu pas mal de chance dans le déroulement. Et maintenant, je suis fier et heureux d'avoir pu la décrocher. Quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune qui vous regarde, qui trouve que c'est chouette ce que vous faites et qui aimerait bien faire ce métier aussi? Si il ou elle est amoureuse des courses, des chevaux, que niveau taille et poids ça peut aller, parce que c'est pas du tout la même vie quand on fait 52, 53 kilos et quand on en fait 58. Donc si tous les paramètres rentrent en compte, je lui souhaite de tenter le coup, parce que c'est quand même un beau métier quand ça marche. Après il y a peu d'élus et il faut faire beaucoup de sacrifices, mais en tout cas si ça marche, c'est un beau métier. Pour savoir où retrouver Michael Barzalona et ses collègues, vous pouvez consulter l'agenda cheval sur le site indeauville.fr. À très vite pour un nouvel épisode.